Bonjour, ça va tout le monde? Heureuse de vous retrouver de nouveau sur chaîne Cuisine Marocaine. Je partage avec vous une nouvelle recette de msemen melwi, feuilleté, réalisée de façon très très simple et réussie. Alors pour les ingrédients, on aurait besoin seulement de 500 g farine du blé tendre tamisée, la semoule du blé fine, 250 g, la levure chimique, 7 g, le sel, une petite cuillère. Alors, on va réaliser cette recette sans beurre. Seulement, on aurait besoin de huile de tournesol. Le besoin pour le feuilletage est bien sûr l'eau froide pour arranger la pâte. Alors, dans un récipient, versez tous les ingrédients. La farine, la semoule, la levure, le sel, mélangez-les, rajoutez l'eau petit à petit et pétrissez longuement la pâte. Et voilà, la pâte, elle est bien pétrie. Maintenant, formez des petites boules, huilez-les et laissez-les se reposer presque une demi-heure. Et n'oubliez pas de les couvrir d'un film alimentaire. Après, sur le plan de travail, étalez la première boule finement en utilisant l'huile et saupoudrez de la semoule. Maintenant, découpez le cercle du centre jusque l'extrémité. Voilà. Roulez-le sur lui-même jusqu'au bout, comme vous allez voir. La voilà. Une autre, la même manière. Voilà, comme un cornet. Voilà. Et voilà. Je continue de la même façon pour finir l'autre quantité. Après avoir terminé, je commence par la première que j'ai déjà manipulée. Entre-temps, préchauffez la poêle à feu élevé, mais dès que je commence la cuisson, abaissez-la à petit feu. Étalez-la de nouveau, à chaque fois, en utilisant l'huile. Quand vous avez suivi dans cette recette,
Je n'ai pas utilisé du beurre fondu, mais si vous aimez, vous en avez le choix. Maintenant, faites la cuire en deux côtés jusqu'à ce qu'il prenne la belle couleur dorée. Juste après, placez-les directement sur un linge propre et couvrez-les. Et voilà, servez-les chaudes pendant le goûter ou bien le petit déjeuner avec du miel ou du beurre ou bien la confiture au fromage en l'accompagnant du thé à la menthe marocain. J'espère que la recette vous a plu, n'hésitez pas à la réaliser. Je vous invite à partager, cliquer sur j'aime et s'abonner à la chaîne Cuisine marocaine pour plus de nouveaux. Bon appétit et je vous retrouve à la prochaine.